Bonsoir tout le monde, bienvenue sous Palmis là. Si vous montez pas bon ici là pour première fois, pas oublier. Vous faites ça, vous cliquez sur subscribe et vous appuyez la cloche là. Pour capable de connecter ensemble avec nous. En fait, nouvelle qui sorti là par entre Donald Trump et adversaire démocrate, bah une information qui est assez importante. Malgré le fait que on dit approval rating Donald Trump sur le plan national, nationwide, est très bas. Malgré le fait que nous connaissons que Donald Trump, présentement, il a mené une investigation pour chercher à capoter le sous-pouvoir. Nous connaissons un bon dossier louche, tant que tax returning, que vous avez pour prendre la rue. Et que lui-même l'a goumé avec ça. Malgré le fait que Donald Trump son monde, l'a monté sur Twitter, j'en a parlé en pile monde déçu. Même républicain a dit, il fait même bouche, il parle trop, quitte au fait de trois politiques tout. Décision tête en balle qu'on a fait, ça n'a pas empêché. Ça n'a pas empêché que sondage que vous fait, montrez monsieur, eh bien, a mené, sous qui est-ce bien entendu? Qui bon? Et bien, dans ça nous les battleground states. Pas plus que dans l'élection, ma boy, ici, ça nous les battleground states, là, c'est des séries de states côté qui ont une véritable compétition. C'est des séries de states qui sont capables, à un certain moment de la durée, flip, de capable pencher démocrate ou bien républicain. Ça vous connaît, il y a des states, ma boy, ici, tout mettre boumé, il n'y a pas jamais démocrate, il y a toujours républicain. Et de vous perdre des states, là, on perd tout collège électoral vote, là. Yo pa tenu compte de valeur moun ki te vote. Pa passe papa ici. C'est pas qui quantité moun ki vote pour. Depuis m gen on state m gen. Ça veut dire qui ça? Depuis m gen on state même l'autre gen 100 000 votes. Et comme si yo pa iti loin rien parce que tout collège électoral vote la pral voter pour moi. Et ça veut dire. Donc, yo montre que nan battleground state yo Donald Trump bat Warren en pile, ça veut dire Warren pa gen le même. Yon seul côté Warren even avec c'est celle Arizona qui égal tout l'autre côté ou bat Elizabeth Warren. OK, et moun ki bat li au niveau des démocrates c'est Biden bat li tout côté net tout battleground state. T'as parlé de battleground state, comprendre bien ça n'a dit, c'est des states côté que qui compétitif, c'est des states que ou pas ka dit qui nécessairement pral démocrate ou pral républicain. C'est jouer élection, yo di yo c'est des battleground state. Mais tout le monde connaît, gen des séries de state pour soit aller California. Ou pas besoin d'un ken républicain, ou pas besoin de Donald Trump pour aller dépenser comme pour California. Li va pas faire campagne pour California. Parce qu'il connaît vle parler déjà avec du California, li pas compter sur California pour le président. Ça veut dire gen des séries de state là prend Alabama, un démocrate. Pas pral di ou li pral faire campagne gaspiller comme lui dans Alabama. Parce qu'il pas compter sur collège électoral vote state ça pour le président va il déjà connaît state ça son state rouge lié. Il y a des states qui purement rouge, il y a des states qui purement bleu, mais il y a des states qui mix qui entre les deux et qui sont capables de changer de une année à l'autre. Là dans nous gain Florida, il doit flip de une année à l'autre. N'a regardé là nous Biden, il bat Donald Trump dans Florida, il bat tout l'autre côté. Tout battle garantie. Mais attention, li bat li a plus 2, plus 1. Pas oublier que ça a un match d'erreur. Donc, de toute façon, vous dit qui ça? Donald Trump, s'il est vrai que sur le plan national, li pas soin, mais là, on prend au niveau de battle garantie, li compétitif. Raison de plus, vous dit qui ça? Je vous dis, il faut comprendre bien que dans tout candidat là, ça qui plus. Ka bat Donald Trump, l'on parle de l'autre monde qui est Joe Biden. Ça qui a battu fait maintenant cause ça, c'est que, non, on a parlé là, Elizabeth Warren, Elizabeth Warren vini yon monde qui est très compétitif. Parce que nous, ouais, non, ça se fait, ouais, yon là, et ouais, c'est Elizabeth Warren qui bat, et chaque jour la monte. Nous voulons dire que Elizabeth Warren, c'est un menace pour la démocratie, parce que, comment bien? Il y a ensemble de monde investisseurs, banquiers. Il y a le temps de parler d'Elizabeth Warren. Parce que Elizabeth Warren trouvait à l'extrême gauche. Tout bagarre a dit free de prudence. On connaît un bon monde qui n'est pas jamais d'accord avec. Même lorsqu'il est contre Trump. OK? Donc, et mais d'autant plus que
Depuis Elisa a parlé, elle parle des billionnaires, les milliardaires, les millionnaires, dit toujours mon ça autant qu'on bête noir. Dit toujours mon ça comme l'ennemi du peuple. Qui fait que en pile monde au niveau de Wall Street, yo dit attention. Si yo a un nouveau, yo comprend ba la ka mal passé. Et pas yo ka voyer bien entendu, mais est-ce que Elizabeth Warren commence à attirer une certaine attraction au niveau de communauté. Still, Joe Biden toujours appelé, mais pas appelé le mois de novembre, en pile temps était toujours. Donc, en clair sous ça, au niveau des démocrates, Elizabeth Warren toujours gain champ libre pour le battre Biden, n'est pas impossible. Donc, d'autant plus, je veux dire que si on voulait faire véritable bataille avec Donald Trump, tout le monde ne veut pas gagner le choix. C'est Biden à 100%, c'est encourager tout le monde. Biden. C'est Joe Biden qui est véritablement qui capable de battre Trump. Parce que vous comprenez bien, Biden présentait l'ontigeant au centre, il n'est pas en extrême gauche. Et il y a un ensemble d'entrepreneurs, un ensemble de monde qui est neutre. Nous connaissons des gens qui ont décidé de pas ni républicain, de pas ni démocrate. Moun sa wap plus wèyo nan Biden ki al wèyo nan Elizabeth Warren. C'est comme ça pour nous bataille. Donc, ça vous moun comprenne, contrairement à ça, moun a pensé que c'est fini, c'est foutu pour Donald Trump, c'est pas foutu, c'est pas foutu, c'est pas fini. Monsieur nan bataille toujours. Et li montre là, qui c'est, bon, Warren, mais savonnen, c'est fini. Donc, ça t'a dit que vous et Warren al faire face avec la, nan battle ground, c'est savonnen. Imaginez au Michigan, il y a plus 4. Ça veut dire qu'il te match derrière là. Florida, il y a plus 4. Il quitte match derrière là. North Carolina, il y a plus 4. Il quitte match derrière là. Donc, c'est mon bat plus facile. C'est mon bat plus facile, justement. OK? Donc, vous comprenez tout. Même lorsque Biden bat du côté à plus 1. Mais on peut comprendre que lorsque ni Sanders pas là, ni Warren pas là, ou Joe Biden, par exemple, Sanders bat li seulement Michigan à plus 3. Donc, on peut comprendre, lorsque Sanders pas là, seule option et Biden, très certainement, Biden va le battre monsieur à n'importe plus 4. Tout. C'est dans ce sens-là, vous comprenez. OK? Donc, mais les gens causés au niveau de Battleground State, c'est-à-dire les states capables de flipper, démocrates ou républicains n'importe là. Donc, je vous dis, il faut que. Tout démocrate comprend ça, que l'intérêt justement pour yo pousser Joe Biden devant si effectivement il voulait faire face avec Donald Trump. Parce que Warren, Elizabeth Warren représente une menace. On dit bien, Elizabeth Warren représente une véritable menace. Elizabeth Warren, et au niveau des démocrates, s'il bon, bah la red là. Il va impossible, non? Il va impossible pour le tabac et Trump. L'homme dit pas impossible, il est vraiment difficile parce qu'il n'a pas gardé les gens dans Battle Grand City. Burger Nation, il a fait pôle national à la bâton, sur le plan national, pôle national. Mais, comprenez bien, sous Gain Warren, Elizabeth Warren qui monte dans la démocratie, bon, nous mettons croisé doit être nous là, et chance pour Trump tourner, hein, la monter. Donc, c'est comme ça, Rosé aille. Donc, nous pouvons update ça, justement, pour faire nous comprendre que, contrairement à ça, en pile, nous pensons, ce n'est pas encore fini pour Donald Trump. Malgré toute mauvaise nouvelle l'a fait, malgré les ouvriers bouche, il dit n'importe bagaille, n'importe tintin, il va aller coup de plume, il fait n'importe vieux coup de plume. Ça n'a pas empêché que fan base li va pas changer. C'est-à-dire le corps, avait dit corps de Trump. J'ai le dit l'elle pas l'élection, on te mettre campé dans FIFA venir pour un zame tire au monde et que pas grand rien, et c'est vrai. Il y a des fanatiques qui font ça pour tout bon. Je vais mettre monsieur tire 10 monde là. Il y a toujours pour lui. Monsieur Green, il y a un fan base. Mais il n'y a pas seulement qu'il y a le pouvoir. Mais ça n'est pas le corps, il y a un véritable fanatique. Il y a un deal, ça, il y a un deal, il y a papa, il y a maman, il y a un deal. Il y a toujours été fanatique. Il n'y a rien pour faire changer. C'est ça quoi? Il y a en bas, il y a 40%. Il y a toujours 40%. 40%, c'est le corps. Il y a le goût, mais si vous présidez, il faut le prendre l'autre, bien entendu. Je ne vais pas aller sur National. Mais le corps là-bas, j'aime varier. Il est toujours solide. Donc c'est ça, vous comprenez. Et pas oublier tout, le facteur économique. On ne peut pas oublier là. On ne peut pas oublier le facteur économique là. Je ne veux dire, regardez tout en emploi maintenant. J'ai le baissé. Je ne veux dire, regardez le stock market là. C'est vrai que l'héritier est dans bonne bagaille de Donald Trump. Mais la réalité, c'est que c'est l'éco-pouvoir. Donald et
Et l'hérité en bonne balle Obama. Obama était héritier de Bush. On économique te mon bon, crasé, il travaille pour le monter. Mais Trump, l'hérité de Obama, il y a une économie qui a monté, il monte avec. Et mais l'hérité de tout ça, green de bon, de économie. Donc c'est toute variable. Ça, vous pouvez comprendre. Et parcours, il faut monter. Ce n'est pas encore fini pour Donald Trump. C'est une bataille ouverte. Mais surtout, c'est veiller qui est démocrate pour le voir entre trois mondes. Entre Biden, Sanders et Elizabeth Warren. Donc voilà, nous comprenons que les gens quatre là, capables de mal battre là, si vous avez un Warren, Donald Trump. Donc voilà. Donc nous devons analyser ça pour vous comprendre justement la motivation. Justement, 2020, c'est à peu près deux mois, novembre. 2020, c'est l'année électorale, année que pour tout le monde, et oui, mais c'est d'une manière ou d'une autre, des pour gagner un citizen, on connaît, il faut qu'on dise mot par, parce que c'est lui qui va décider l'avenir du pays. Donc, rebranchez-vous de connecter, parce que nous, là, pour nous analyser, commenter l'information pertinente qui domine l'actualité. Portez-nous bien.